hano tu amusha hili tuwezu kuamini tena. Kubera yuko kwizera uwizera niwe uzajya mu ijuru. Ya kwamba anayamini ndiye ataingia mbinguni. Kandi uwizera ni uneshezwa. Na tena anayamini ndiye anaweza kupata ushindi. Niyo mpamvu tugomba kubiharanira igihe cyose. Niyo mara tunapasha kupigania ile kila mara. Ibice 10 duhere ku murongo wa 6 tugeze kwa 11. Warumi sura 10 hadi tangu mstari wa 6 hadi mstari wa 11. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru bisobanurwa kumanura Kristo cyangwa ninde uzamanuka ikuzimu bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza niwa tuzakanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Amen. Turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe. Utugenze uko ushaka, turi imbere yawe. Yesu we. Amasezerano yawe rero bagira hadi zakubwa ijambo ryawe ritavaho inyuguti nimwe nene rako ari wese kondero hata nukuta moja wongera tubashishe kwizera wese kutuwezesha kuamini turagushimira ibyo dukorera tunashukurwa yo tunayotendea turagushimira ibyo tubashisha nakushukurwa yo tunayotuwezesha imitima yacu yuzuye amashimwe yo yetu inajaa furaha imitima yacu yuzuye umunezero yo yetu inajaa furaha kandi mwami kubwa amasezerano yawe atena kwa ajili ya hadi zako ntabwo tuzabura kugushima tutakoma kuri imana yo gushimwa no guhimba kwa sababu wewe ni Mungu wa kuimdiwa. Ibyatunaniye byose yote ariye tushinda ibyaturuhije byose yote ariye imitwaro twikoreye mizigo yote tunayochukua tukiri kwitukigera imbere yawe ngari tunafika imbere yawe tubituye imbere yawe mwana tunaweka imbere yawe ile mizigo yote mahoro iriweze kutupatia salama uweze kutupatia furaha nani nagiruvi imbere yawe nakusikia hata mmoja na ondoka imbere yako kama vile alivyokuja umukozi wa uri budukorere na mtumishi wako utakaye mtumia ubaho umugisha uweze kumbariki ukoreshe na uweze kumtumia natwe mwana duhe kumva no kukumvira nasuweze kutupatia kukusikia na kukutii kuko nicyo kituzanye mwana kwamba ili ndio imetuleta ushimwe kubwa abakozi bawe sasa ushukure kwa ajili ya watumishi wako bari mu nzira hirya no hino wako njiani ukomeze ubakoreshe ibikwiye gukorwa mwana uweze kwatendesha yale yanayostahili satena safari zao uweze kuwa kwa kwao umugisha na tena uweze kuwabariki ataragera mu rugo bageza ya mahoro wale bado waje fika nyumbani uweze kwa bageza bakomeze nami kukugarushimwe ni tena walio fika nyumbani uweze kushukuru tena tangirane natwe urangizanye natwe once pamoja nasi maze pamoja nasi abataragera hano nabo turabibutse wale bado waje fika mahali hapa kuko mwami tugomba kugera ku kigero gishitse ya kwamba turapasha kuba kwa kimo moja kinayokuwa kamwe izina rya Yesu Kristo tusabidushimura koze katika lako Yesu Kristo tunaomba tukishukuru data uturirimbisha tunapokea ndugu wa kutuimbisha mwezina rya mwami wa Yesu Kristo katika jina la Bwana Yesu Kristo koze ainare kagera yukumunda none Davinyeretse abwa somana yabura mukugo irimo izawa koze banyeretse kera yukunda none uyu munsu Davinyeretse migambi migambi yawe singiya abantu imbaraga imbaraga zawe singizabo Ibidashobokera abana babo imbere yawe imbere yawe ni nkubu imigambi imigambi yawe zigiye imbaraga imbaraga zawe zibizabo Ibidashobokera abana babo imbere yawe imbere yawe ni nkubu iyo utambara zimurengezi yewe Manu, senye kuzimu, wameye, wameye,
kuganirira kuneta we murenge imigambi ni abantu imbaraga sinisabo ibidashoboke abana b'abantu imbere yawe we ni nguvu intambara Murongo wa mbere kugeza ku wa karindwi.
Jean 14, verset 1 à 7. Yohana 14, umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi. Nous lisons la parole de Dieu. Turasoma ijambo ry'Imana. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Kandi aho njya inzira murayizi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Thomas aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data nta mujyanye. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Imana ihe umugisha ijambo ryayo risoma. Veuillez vous asseoir. Mushobora kwicara. Je prie. Ndasenga. Dieu notre Père bien-aimé. Mana data mukundwa. Merci de nous avoir rassemblés ce soir. Urakoze kuko kuduteranya kuri mugoroba. Avec ton peuple de ce côté-ci du globe terrestre. Et hamwe nabera muri iki gice cyo kwisi. Où tu les as placés pour te servir en ce temps de la fin. Aho wabatuje inaha kugira bagukorere muri iki gihe kirangiza. Nous sommes heureux de pouvoir partager cette parole avec eux. Mwami nejejwe no gusangira nabo ijambo ry'Imana. Parce qu'ils croient. Et kubera ko bizera. Seigneur, bénis leur foi. Mwami uha umugisha kwizera kwabo. Bénis leur vie. Uha umugisha imibereho yabo. Bénis leur famille. Uha umugisha imiryango yabo. Bénis tes serviteurs qui travaillent ici. Uha umugisha abakozi bawe bagukorera hano. Bénis toute la congrégation. Uha umugisha itorero ryose. Bénis la parole que nous venons de lire. Uha umugisha ijambo tumaze gusoma. Et ajoute-y, Seigneur, selon ta bonté. Et kandi mwami uriho umugisha. Pour que ton peuple soit fortifié. Et kugira ngo ubwoko bwawe bwongererwe imbaraga. Que ton peuple soit béni. Ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Et que ton peuple se prépare à ta venue. Kugira ngo ubwoko bwawe burusheho kwitegurira kuza kwawe. Merci Seigneur. Urakoze mwami. Dieu a voulu ainsi. Et kuko ari uko wabishaka. Sois avec nous du début à la fin. Ubane natwe dutangira kugeza turangiza. Par ta parole guéris nos maladies. Et kandi unyuriye mu ijambo ryawe ukize uburwayi bwacu. Et guéris nos cœurs. Et kandi ukize n'imitima yacu. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Imana ibahe umugisha cyane. Pendant tout ce temps que nous serons ensemble, nous allons parler d'un seul sujet, mais on va prendre plusieurs facettes. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Nous parlerons donc sur ce sujet, les choses qui doivent être. Ou les choses qui doivent venir. Les choses que Dieu a promises dans sa parole. Et qui doivent être là. Parce que ces choses font partie de la création de Dieu. Et ces choses font partie des promesses de Dieu. Kandi ibyo ni bimwe mu masezerano Imana yatanze. Tout ce que Dieu nous a promis. Ibyo Imana yadusezeranyije byose. Arrivera. Ibizasohora byanze bikunze.
Nous plaçons notre foi dans les promesses de Dieu. Nous ne pouvons pas placer notre foi dans quelque chose que Dieu n'a pas promis. Tout ce que Dieu n'a pas promis n'arrivera pas. Même si vous y croyez, ça n'arrivera pas. Mais ce que Dieu a promis, ça arrivera. Amen. Amen. Ici, dans Jean 14, ce chapitre, souvent, nous les pasteurs, nous les prédicateurs, ce chapitre de Jean 14, nous le prenons souvent aux funérailles pour encourager ceux qui restent. Qu'il y a une vie après la mort. Quand nous mourons dans la mort physique, la vie ne se termine pas là. Quand un de nous-mêmes, alors pour encourager ceux qui restent, nous leur parlons de la promesse du Seigneur qui a dit que je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai. C'est écriture, je reviendrai. C'est sur cette écriture que nous fondons toutes nos espérances sur le retour de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il reviendra. Même si le monde ne veut plus y croire, nous continuons à y croire. Un jour il va venir. Il nous prendra avec lui. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous le prêchons souvent au funérail. Et ce monde a recouvert sa robe de funérailles. À cause du péché qui pèse sur lui. Il n'y a plus moyen de relever ce monde. Chaque jour qui vient amène avec lui la corde de péché. Buri munsi uzana ibindi byiyongera ku busanzwe. Ubugome bwiyongera ku busanzwe. Le monde ne peut plus revenir en arrière. Ici, ntabwo gifite uburyo bwo gusubira inyuma. Il va de l'avant dans le péché. Irimo irihuta rwose igana mu byaha. Aujourd'hui, uyu munsi, le péché est plus visible que hier. Icyaha uyu munsi kiragaragara cyane kuruta uko cyagaragaraga ejo. Dans le temps passé, mu bihe byashize, on trouvait peut-être un ou deux homosexuels dans une ville comme ici. Washobora gusanga nk'abagabo bendana n'abandi bagabo yenda babiri muri uyu mujyi. Et ils se cachaient. Kandi bakaba ari abantu bihisha. Ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils sont homosexuels. Badashaka ko abantu bamenya ko ari abagabo. Mais aujourd'hui, ils sont des milliers. N'ibihumbi. Et ils ne se cachent plus. Kandi ntibakihisha. Ils font même des manifestations publiques. Ndetse rimwe n'imwe bakora n'imyigaragambyo. Pour que tout le monde connaisse qu'ils sont des homosexuels. Kugira ngo abantu bose bamenye ko ari abagabo baryamana n'abandi bagabo. C'est toute la mesure du péché d'aujourd'hui. Uko niko urugero rw'icyaha cy'uyu munsi rumeze. Ibyaha bikomeye. Les viols, les guerres. Ukwicana, gufata abagore. Tout cela décime ce monde. Ibyo byose nibyo biranga. Plus d'espoir. Ici, nta byiringiro igifite. Le seul espoir pour ce monde. Ibyiringiro bimwe bisigaye kuri isi. C'est le retour de Jésus-Christ. No kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. C'est vrai. Nibyo. Il reviendra. Et mu byukuri azagaruka. Tenez bon. Muhagarare neza mushikamye. Fortifiez-vous. Mwikomeze.
Chaque jour nous rapproche de sa venue. Umunsi ukuza niko urushaho kutwegereza. Et quand il viendra, kandi naza, toutes nos peines, toutes nos souffrances. Imibabaro yacu, ingorane zacu n'imiruho bizabirangira. La Bible dit qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux. Bibiliya ivuga neza ko azahanagura amarira y'amaso. Il n'y aura plus ni cri ni douleur. Nta kubabara, nta n'amarira bizongera kubaho. Ces choses seront tellement passées pour nous. Nous aurons une autre vie meilleure que celle que nous avons. Que nous ne nous souviendrons plus. Ku buryo tutazongera kwibuka uko twari tumerewe. Amen. Jésus dit donc, yes, ravugati, que vos cœurs, que votre cœur ne se trouble point. Ati, mitima yanyu ntihagarare. Vous croyez en Dieu. Mwizere Imana. Croyez aussi en moi. E kandi nanjye munyizere. Si vous croyez en Dieu. Niba mwizere Imana. Croyez aussi en moi. Noneho nanjye munyizere. Les Juifs en général. Abayuda muri rusange. Croyez en un Dieu surnaturel. Bizeraga Imana idasanzwe. Il n'était pas comme nous les païens. Ntago bari bameze nkatwe abanyamahanga. Qui croyaient dans des idoles. Et twebwe abizeraga ibigirwamana. Qui croyaient dans des dieux imaginaires. Twebwe abizeraga Imana zo mu bitekerezo. Pour les uns. Eba kuri bamwe. Tu étais en forme de poisson. Et kuri bamwe Imana yari isamaki. D'autres en forme de crocodile. Abandi bakumva ku Imana isa n'ingona. Chacun se représentait Dieu comme il pensait. Buri wese yishyiragamo ku Imana isa nkuko bitekereza. Et c'est ce que ça signifie. Et kandi byo nibyo bisobanura ikigirwamana. C'était un Dieu que vous ne connaissez pas. Ni Imana utazi. Mais vous avez votre propre représentation. Ariko ukaba ufite ishusho wowe uyiha. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'est pas révélé aux païens. Le païen a eu seulement une imagination. Dieu s'est révélé aux prophètes. Et au travers des prophètes, Dieu s'est révélé à une seule nation, la nation, le peuple d'Israël. Et connaissait le Dieu surnaturel. Il croyait en lui. Et il leur avait interdit de représenter ce Dieu-là. Kandi bari barabujijwe gukora igishushanyo cy'iyo mana. Comme il l'avait jamais vu. Et kubera ko batari barigeze bayibona n'amaso. Lisons un peu ça. Et tubisome gatoya. Deutéronome. Gutegeka kwa kabiri. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Et muri icyo gihe Uwiteka nanjye Uwiteka ntegeka muri icyo gihe kwigisha amategeko n'amateka. Afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et kugira ngo muyitonderere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Nuko murinde imitima yanyu cyane kuko mutagize ishusho mureba ku munsi Uwiteka yababwiraga kuri Horebu ari hagati mu muriro. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gishushanyijwe mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore, igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa icy'itungo cyose kiri ku butaka cyangwa ikikiguruka mu kirere cyose cyangwa ikigikururuka hasi cyose cyangwa ikifi yose yo mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Amen. Veille sur ton âme. Et kandi rinde umutima wawe. De peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu
a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Et kandi rinda umutima wawe kugira ngo nurarama ukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri ibiri mu ijuru byinshi byose we kureshwa ngo wikubite imbere yabyo ubisenge kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanije amahanga yose yo munsi y'ijuru hose. Les païens adoraient toutes ces choses. Et abanyamahanga bo basengaga ibyo byose. Chez les Ninivites, ils croyaient que leur Dieu était un poisson. Et ko ba Ninivike bizeraga ko Imana yabo ari isamake. Quand ce poisson avait vomi le prophète Jonas sur le sable. Et igihe iyo fi yarukaga Jonas ku mucanga. Ils ont crié dans ce miracle. Abininewe batangaza. Pas seulement c'était un miracle. Ataruko gusa ari gitangaza. Parce que ça venait de leur Dieu, le grand poisson là. Ngo batangajwe cyane nuko aturutse muri ya mana yabo cya gifi kinini. Chez les Éphésiens, c'était une image d'une femme. Et qu'on appelait la grande Diane d'Éphèse. Tous les païens, les Indiens, les Chinois, tous, soit ils adoraient la lune comme les musulmans, soit ils adoraient le soleil, etc. Mais Dieu dit, vous, Israël, quand Dieu vous a parlé, vous n'avez rien vu. C'est pourquoi ne le représentez pas. Il croyait en lui en tant qu'un Dieu surnaturel, un Dieu invisible. Il croyait que si quelqu'un voit Dieu, il mourra. Et leur difficulté, kandi ingorane yabo, qui était une grande difficulté, ingorane bari bafite ikomeye, c'était de croire, yari kwizera, que le Dieu invisible, kwizera ko iyo mana itagaragaye amaso, le Dieu surnaturel, iyo mana idasanzwe, était devenu un homme qui était devant Dieu. Yuko yahindutse umuntu uhagaze imbere yabo. Ils avaient difficile. Israël qui croyait en Jéhovah, ils ont eu difficile à comprendre que Jéhovah est devenu un homme en Jésus-Christ. Bakomerewe no kwemera ko Yehova ukomeye yahindutse umuntu muri Yesu Kristo. C'était une difficulté énorme. Cyari kibazo gikomeye kuri bo ndetse kugeza n'uyu munsi. Si c'était une difficulté énorme pour les Juifs, c'est encore une difficulté plus grande pour les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Aujourd'hui, ils ont fait de lui une trinité. Alors que la Bible entière dit que Dieu est un seul. Ils ont difficile à comprendre que les dieux surnaturels, les dieux invisibles, les créateurs de toutes choses, soient devenus un homme en Jésus-Christ. Et pourtant, c'est écrit comme ça dans la Bible, que Dieu deviendra un homme. Prenons-le dans Isaïe 9. Tubirebe muri Yesaya 9. Isaïe 9. Yesaya 9. Verset 5. Murongo wa 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro. En Esaïe 7, il est dit, une vierge concevra, elle enfantera un fils. Muri Yesaya 15 turavuga ngo umwana azasama inda azabyara umuhungu. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Uzamwite Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. Emmanuel bisobanura ngo Imana hagati y'abantu.
Dans Isaïe 9, il est dit, muri Yesaya 9 aravuga ngo, ce fils, uyu mwana w'umuhungu, sera appelé azitwa l'admirable, igitangaza, ou le merveilleux, cyangwa se igitangaza, bisobanuye ngo, Dieu qui a rencontré Jacob, yamana yahuye na Yakobo, Dieu qui a rencontré Gédéon, yamana yahuye na Gideon, le Dieu de l'Ancien Testament, imana yo mu isezerano rya kera, Jacob l'a rencontré, igihe yahuraga na Yakobo, il a combattu avec lui, akarwana nayo, alors noneho ce Dieu-là voulait s'en aller. Iyo mana igiye kugenda. Mais Jacob dit. Yakobo aravuga ati. Je ne veux pas te laisser partir. Sinshaka kukureka ugenda. Dis-moi ton nom. Banza umbwire izina ryawe. Je lui dis. Imana yamubwiye iti. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Niki gituma ushaka kumenya izina ryanjye? Mon nom est merveilleux. Izina ryanjye ni igitangaza. C'est lui le merveilleux. Niwe gitangaza. Ou l'admirable. Cyangwa se igitangaza. Il est le merveilleux. Et Dieu, dans sa révélation, dit l'enfant là, imana, le fils qui naîtra, on l'appellera le merveilleux. Azitwa igitangaza. Le conseiller. Umujyanama. Le conseiller. Umujyanama. En tant que Saint-Esprit, nk'Umwuka Wera, il est le conseiller. Niwe mujyanama. On l'appellera. Bazamwita kandi. Le Dieu puissant. Imana ne sera pas seulement un enfant. Cet enfant sera Dieu. En d'autres termes, Dieu deviendra un homme. Imana izahinduka umuntu. Amen. Et Dieu puissant. Yaman ikomeye. Eligible. Parce que Dieu a beaucoup de titres. Kubera ko Imana ifite amazina menshi. Il sera le Dieu puissant. Azaba ari Imana ikomeye. Le Père éternel. Data wa twese uhoraho. Et là, pour les croyants, même si vous pouvez trébucher sur Dieu puissant, Dieu tout puissant, etc. Mais vous ne pouvez pas trébucher sur Père éternel, car il n'y a qu'un Père éternel. C'est lui que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Il a dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux, Data wa twese uri mu ijuru. Que ton nom soit sanctifié. Izina ryawe ryubahwe. Que ton royaume vienne. Ubwami bwawe buze. Que ta volonté soit faite. Ubushake bwawe abe ari bwo bukorwa. Hano ku isi. Comme il est fait au ciel. Nk'uko bukorwa mu ijuru. Le seul Père éternel. Data wa twese uhoraho wenyine. Ni Imana. Ni Imana yihinduye umuntu muri Yesu. Le prince de la paix. Prince de la paix. Ou mieux, le roi de la paix. Parce que c'est ainsi qu'il s'était montré chez Abraham. En tant que Melchizedek. L'interprétation du nom Melchizedek signifie roi de justice et roi de paix. Il était le roi de Jérusalem, Salem. Yari umwami wa Yerusalem yo mu ijuru. Salem, c'est paix. Salem, c'est justice. Et on a mis tout ensemble. Jérou, bivuga gukiranuka. C'était lui le roi de cette ville d'en haut. Niwe umwami wa wa mugi wo hejuru. Vous voyez. C'est lui qui est venu en tant que fils. Uwo niwe waje ari mu ishusho y'umwana. Prenons Jean. Et dusome muri Yohana. Jean chapitre 1. Yohana igice cya mbere. Verset 1. Yohana igice cya mbere umurongo. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. La parole était Dieu. Jambo yari Imana. Au commencement. Mbere na mbere. Avant le commencement. Mbere y'Isa était une fontaine d'esprit. De vie et de lumière. Imana yari isoko y'umucyo, isoko y'umwuka n'isoko y'ubugingo. Avant le commencement. Mbere yuko kwitangira. Il n'était pas encore la parole. Yari atarabajambo. Il était une fontaine de vie, fontaine d'esprit, fontaine de lumière. Yari isoko y'umucyo, isoko y'ubugingo, isoko y'umwuka. C'est comme ça qu'il était. Uko niko je m'arrête un peu pour vous lire dans le Nouveau Testament. Reka mpagarare gato mbaze masomere mu isezerano rishya. 1 Timothée.
Timoteo wa mbere. Chapitre 1. Timoteo wa mbere, igice cya mbere. Verset 17. Murongo wa 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka ari we Imana imwe yonyine ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose amen. En tant que la fontaine d'esprit il était invisible. Nk'isoko y'umwuka ntabwo yagaragariraga amaso. Seul Dieu immortel. Imana yonyine idapfa. Timoteo 6. Timoteo 1:6. Verset 17. Murongo wa 17. Oui, commençons verset 14. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe ariyo mwami w'abami n'umutware utwara. Qui seul possède l'immortalité. Niyo yonyine ifite kudapfa. Qui habite une lumière inaccessible. Iba mu mucyo utegerwa. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo. Amen. Ça c'était sa forme originelle avant le commencement. Uku niko Imana yari imeze mbere y'uko itangira ibaho. Il habitait une lumière, il était seul. Mbere y'itangira Imana yari yonyine. Il n'y avait pas de création. Nta byari il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de lune. Il n'y avait pas d'étoile. Il n'y avait rien. Il était seul. Imana yari yonyine. Dans cette lumière inaccessible. Iri muri uwo mucyo utegera. Il est devenu la parole. Imana yahindutse ijambo. Ce qui est dit. Et ni byo bivuze hano. Yari ijambo. Et la parole était Dieu. Kandi ijambo yari Imana. Revenons à Jean. Et tugaruke muri Yohana. Elle était au commencement avec Dieu. Mbere na mbere yari kumwe n'Imana. Toutes choses ont été créées par elle. Kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitari. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. En elle était la vie. Muri we harimo ubugingo. Et la vie était la lumière des hommes. Kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. La lumière lui dans les ténèbres. Uwo mucyo uvira mu mwijima. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ariko umwijima ntiwawumenya. Tout ce qui a été fait. Ibyaremwe byose. Tout ce qui a été créé. Ibyaremwe byose. A été créé par Dieu. Byose byaremwe n'Imana. Dans sa forme de la parole. Et iri muri yo shusho y'ijambo. Et rien de ce qui a été fait. Kandi mu byaremwe byose. Aucune créature. Nta cyaremwe na kimwe. N'a été faite sans elle. Kitaremwe nawe. Amen. La création tout entière. Ibyaremwe byose. C'est l'œuvre de Dieu. Ni umurimo w'Imana ubwayo yonyine. Rien nta kintu na kimwe cyari cyari mu byaremwe n'a été fait sans elle. Kitaremwe nawe. Tu as créé toutes choses. Imana yaremye ibintu byose. Il a créé les cieux. Irema ijuru. Ainsi que l'armée du ciel. Irema n'ingabo zo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo les planètes, les étoiles, les anges. Il a créé la terre. Et tout ce qu'elle renferme. Il a créé les mers. Et tout ce qu'elle renferme. Il a créé toutes choses. Dieu lui-même. Deuxième Pierre. Et Pétero wa kabiri. Deuxième Pierre. Et urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Chapitre 3. Igice cya gatatu.
4 à 5. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Les incroyants, les moqueurs modernes, même aujourd'hui, votre Jésus là, depuis le temps des apôtres, où est-il? Vous avez ce message depuis plus de 50 ans, vous avez dit qu'il vient, où est-il? Il se moque. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut l'ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ainsi qu'il tertirait de l'eau et formait au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde est alors péri, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Toutes choses ont été créées par Dieu. Je voudrais ce soir, avant que je me termine, que tout un chacun ici ce soir retienne que tout a été créé par Dieu et que Satan n'a rien créé. Satan n'est pas un créateur. Satan est une créature. Satan il n'a rien créé. Il n'a rien sauvé. Il n'a rien promis. Il n'y a que Dieu qui a créé, qui a sauvé et qui a promis. Colossiens, chapitre 1, verset 1. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Umwana niwe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu byaremwe byose. Le Fils, Jésus-Christ, il est l'image visible niwe shusho iboneka du Dieu invisible. Y'Imana itaboneka. Amen. En d'autres termes, mu yandi magambo, le Dieu invisible s'est rendu visible en Jésus-Christ. Il est le premier-né de toute la création. Amen. C'est clair. Le premier fils de Dieu, c'était Adam. Yari Adam. Adam était le premier fils de Dieu, mais il n'était pas né. Il n'était pas engendré. C'était le premier fils de Dieu créé. Dieu a créé Adam, étant déjà adulte. Déjà adulte. Adam n'est jamais né. Adam n'a jamais avoué. Dieu a pris de la terre, il a fabriqué la forme, et puis il a pris l'homme Adam qu'il avait créé en tant qu'esprit, parce que l'homme que Dieu a créé à son image, ce n'est pas la chair. La chair n'a pas été créée à l'image de Dieu.
C'est l'esprit, l'homme esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Car Dieu est esprit. Et il a pris cet homme esprit. Il l'a mis dans ses corps de chair. Et l'homme s'est mis debout. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'il devait une âme vivante. Une âme adulte. Un fils de Dieu. La Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Non engendré, mais Jésus-Christ, lui, il était le premier fils de Dieu engendré. Car nous tous, nous sommes sortis d'Adam, mais un Adam déjà déchu. Vous voyez, nous sommes nés dans le péché. Nous ne sommes pas nés fils de Dieu. Nous sommes nés fils des hommes. C'est pourquoi, dans le premier-né, en Christ, nous devons naître de nouveau pour être des fils de Dieu, engendrés comme Christ a été engendré. Et lui, il est le premier-né de la nouvelle création de Dieu, parce que la première création était tombée dans le péché. Et lui, le premier-né, est venu pour la rédemption, pour élever la race d'Adam qui était déchue. Voilà pourquoi le premier-né de la création de Dieu, de la nouvelle création de Dieu. Verset 16. Car en lui, dans le Fils, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Kandi ni nawe byaremewe. Satan n'a rien créé. Satan nta kintu na kimwe yaremye. Ne donnez jamais à Satan, Satan la puissance imbaraganaz- et la gloire qu'il n'a pas. Cyangwa icyubahiro na kimwe adakwiriye. Satan, Satani, c'est une créature. Satan ni ikiremwa. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de l'adorer ni de le servir. Il est une créature. Nous n'avons pas le droit d'adorer le soleil. C'est une créature. Nous n'avons pas le droit à lui. C'est une créature. Dieu a mis ses luminaires dans le ciel en partage avec tous les peuples de la terre. Ce ne sont pas des divinités. Ce sont des créatures. Satan est une créature. Tous les anges sont des créatures. Dieu seul est créateur. Voilà pourquoi la gloire, l'honneur, le règne, la puissance lui appartient. Amen. Ne suivez pas les voies des nations qui adorent les créatures, qui glorifient Satan. Ils disent aux gens, faites attention. Satan est puissant. Satan est puissant. Faites attention. Non. Oh, yeah. Satan, s'il est puissant, sa puissance, comparée à la puissance de Dieu, sa puissance n'est rien. Voilà pourquoi, quand Satan a péché, quand Dieu l'a chassé du ciel, il ne lui a pas enlevé la puissance qu'il avait. Parce que Dieu sait que sa puissance n'est rien
par rapport à la puissance de Dieu. Divuze, ugira, nije, Satan est puissant. Satan a mais Dieu ariko est tout puissant. Imana ishobora byose. Amen. Satan. Et Satani ne connaît pas tout. Ntabwo azi byose. Satan. Satani n'a pas la puissance de tout. Ntabwo afite ubushobozi bwa Dieu qui connaît tout. Il n'y a que Dieu qui peut tout faire. Ishobora gukora byose. Satan. Satan ne peut même pas connaître les pensées dans le cœur d'un homme scellé du Saint-Esprit. Il est incapable de savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un rempli du Saint-Esprit. À moins que cette personne parle, alors Satan l'entendra. Sinon, Satan ne peut pas le savoir. Mais Dieu, il connaît tout. Il connaît tout ce qui est dans le cœur. Il connaît le nombre de feuilles de tous les arbres. Il connaît le nombre de tous les insectes de la terre. Il connaît le nombre de tous les cheveux sur toutes les têtes des hommes et des animaux. Il connaît le nombre de toutes les plumes qui sont sur tous les oiseaux du monde. Dieu connaît ça. Lisons. Dans le Samuel. Samuel Wambere. Samuel chapitre 2. Et Samuel wa mbere igice cya mbere. Nous allons terminer avec ça ce soir. Et kandi aho niho turi burangirize kuri mugoroba. Samuel chapitre 2 verset 1 à 7. Et Samuel wa mbere kabiri rimwe kugeza kuri karindwi. Le but de mon petit message de ce soir. Et kandi umutwe w'amagambo yari. C'est que vous ayez tellement confiance en Dieu. Intego yanjye kuri mugoroba nuko mukize Imana ikizere. Vous mépriserez Satan et tous ses anges. Kandi mugasuzugura Satani n'abantu be. La Bible dit. Bibiliya avuga ngo mbere yuko dusomana muri Samuel. Muri Yohana 4. Il dit. Petits enfants. Bana bato. Ne craignez rien. Ntimutinye ikintu na kimwe. Kuko celui qui est en vous uri muri mwe est plus grand aruta que celui qui est dans le monde uri muri mwe aruta celui qui est dans le monde c'est Satan uri mubisi ni Satan celui qui est en nous les enfants uri de Dieu twe abana b'Imana c'est Christ lui-même ni Christo celui qui est en nous uri muri twe est plus grand aruta que celui qui est dans le monde aruta pourquoi avoir peur ni iki cyatuma tugira ubwoba ne craignez rien ne kugira ikintu na kimwe mutinye vive en paix ubeho mu mahoro marche en paix gendere mu mahoro qui veille sur chacun de nous. L'ange de l'Éternel rampe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et le délivre de tout danger. C'est vrai. 1 Samuel chapitre 2. Anne pria et dit. Maze hana arasenga ati c'est une femme croyante n'umugore umwizera qui prie une prière de la foi wasenze isezerano ryo kwizera ne parle pas n'importe comment ntago yavugaga ibibonetse byose elle a des difficultés nubwo yari afite ingorane les paroles qui sortent de sa bouche ariko amagambo yasohoka mu kanwa ke sont les paroles de la foi na amagambo yuzuye kwizera elle dit aravuga ati mon cœur se réjouit en l'Éternel mutima wanjye wishimire uwiteka ma force a été relevée par l'Éternel ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'uwiteka ma bouche est ouverte contre mes ennemis akanwa kanjye kagukire ku banzi banjye je me réjouis de ton secours kuko nejejwe n'agakiza kawe c'est Anne qui priait uyu ni Anne wasenga nul n'est saint comme l'Éternel nta wera nk'uwiteka. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Même si vous perdez un enfant, même si vous perdez votre mari, même si vous perdez votre femme, ne parlez pas mal. Ne parlez pas avec eux. Et par lui, nos, et par lui sont pesées toutes les actions.
kandi ariyo imenye urugero rw'ibyo abantu bakora. L'arc de puissance est brisé. Imiheto y'intwari iravunitse. Elle est faible, on la force pour ceinture. Kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Les puissants sont brisés. E intwari ziravunaguritse. Mais c'est qu'on méprisé. Ariko abasuzugurwa. On de nouveau la force. Abari abashonji baratamara. Ceux qui se confient en Dieu. Abiringira Imana nibyo. Dieu les relève, leur donne sa force. Abiringira Imana, Imana ibongera imbaraga. Alors que ceux qui se prévalaient comme des puissants. Bibwiraga ko ari intwari. Dieu les confond. Imana ibakize mu bwishishi. Imana ibavunaguye. Amen. Amen. Ceux qui étaient rassasiés se loupent du pain. Abari abakungu baracishuro. Ceux qui avaient beaucoup de choses en abondance. Abari bafite ubutunzi bwinshi. Dieu est capable de les abattre. Imana ifite ubushobozi bwo kubakubita hasi. Ils commencent à se vendre, à se louer pour du pain. Bagatangira kwigurisha kugira ngo babone ibyo kurya. Dieu est capable de faire. Imana ifite ubushobozi bwo gukora bene ibyo. Et ceux qui étaient affamés. Kandi abari abashonje. Ceux qui mendiaient. Abasabirisaga. Abatari bafite icyo bafite. Se repose. Abari abashonje baratamaraye. Imana ishobora gufata umuntu utari ufite icyo afite. Imana ishobora kumuzamura. Akagira ubutunzi bwinshi. Même la stérile enfante cette fois. Ndetse wari ingumba yabyaye kare. Celle qui avait beaucoup d'enfants flétrie. Kandi wabyaye benshi. Dieu peut donner la fécondité à une femme stérile. Imana ishobora guha kubyara umugore wari ingumba. Pour enfanter cette fois. Akabyara imbyaro zirindwi. Celle qui avait beaucoup d'enfants. Wari ufite abana benshi. Quelquefois. Rimwe na rimwe. Ces enfants peuvent mourir le même jour. Abana bashobora no gupfira umunsi umwe. Par des guerres ou des calamités. Bishwe n'intambara cyangwa ibindi. Parfois, ces enfants peuvent être tous des bandits. Rimwe na rimwe n'abana bashobora guhinduka bose abagandi. Alors il n'y a aucune joie, aucun honneur à voir des bandits. Kandi nta cyubahiro nta n'ishema ryo kugira abana b'abandi. Imana ishobora gukora ibintu byose. Ishobora gukorera byose uyifitiye icyizere. Murongo wa gatandatu. L'Éternel fait mourir. Et il fait vivre. Uwiteka arica agakiza. Dieu Imana. Est celui qui fait mourir. Imana niyo yica. C'est lui qui fait vivre. Niyo ibeshaho. Vous ne pouvez jamais mourir sur cette terre. Gupfa na rimwe kuri isi. Imana yonyine yafashe icyemezo cyo gucyura mu rugo. Même un avion. Ndetse n'indege ubwayo. Y avoir un crash. Ishobora kwikubita hasi. L'avion tombe dans la campagne. Indege ikagwa mu giturage. Toi tu sors là vivant. Wowe ukavamo uri muzima. Un véhicule peut se renverser. Imodoka ishobora kwibirandura. Tous les jamais. Abantu bose bagapfa. Toi tu sors juste avec une égratignure. Wowe ukavamo yenda ufite udukomere dutoya. C'est l'Éternel qui fait vivre. N'uwiteka niwe ubeshaho wenyine. Et qui fait mourir. Niwe wica wenyine. Niyo mpamvu murekereje gutanga umutekano ngo ngombe satan apfuye mu gasatana runaka yabaye ibinini no. Satan oya ni Imana yabishatse gutyo. Il fait descendre ce jour de mort. Ishira ashyira ikuzimu. Et il en fait remonter. Ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Dieu peut vous faire mourir. Imana ishobora kukwica. Il descend ce jour de mort. Ukamanuka ikuzimu. Un assassin peut vous tuer. Et umupfumu cyangwa umuruzi ashobora kukwica. Noneho ukajya ikuzimu. Mais un seul a le pouvoir de vous en faire remonter. Niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kukuvana. Les autres peuvent vous abattre. Abandi bashobora kukwica. Mais personne ne peut vous faire remonter. Nta n'umwe ushobora kukuvanayo. Oui. Nibyo. Oh, c'est tel sorcier. Oh, ngo n'umurozi runaka umupfumu runaka. Lui aussi ira dans le séjour de mort. Nawe azajya ikuzimu. Ariko Dieu seul. Imana yonyine niyo yonyine ishobora kuzamura yo. L'Éternel appauvrit. Uwiteka arakenesha. Et il enrichit. Kandi agakenura. Dieu. Uwiteka. Celui qui a fait le riche. Imana niyo. Celui qui a fait le pauvre. Kiza niyo yaremye abakire niyo yaremye n'abakene. Nous les enfants de Dieu nous serons toujours riches. Abana b'Imana tuzahora turi abakire. Parmi les enfants de Dieu. Bamwe mu bana b'Imana. Il peut y avoir des riches. Hashobora kubonekamo abakene. Hashobora kubonekamo n'abakene. Et Lazare était pauvre. Kandi Lazare yari umukene. Jusqu'à sa mort. Kugeza no ku munsi w'urupfu rwe. Mais à sa mort. Ariko ku munsi w'urupfu rwe. Il est allé tout droit. Yagiye arombereje mu gitondo cy'abantu. Imana niyo ikora ibyo byose. Et celui qui se moque du pauvre. Kandi useka umukene. Se moque de celui qui l'a créé. Abasetse wamuremye. Il abaisse.
acisha bugufi ashyira hejuru abati kandi akashyira acisha bugufi kandi agashyira hejuru berako azi umwanya w'Imana azi n'umwanya wa Satani Imana ibaho umugisha kuko uyu mugoroba ibisigaye na hejuru amen uko bwayo Mungu anakesha kwa ajili ya taifa lake niyo mpamvu tutagomba kugira impungenge cyangwa ubwoba sababu atufashe kuba na woga wala na woga wote kuko ikimenyetso cya mbere cyo kutagira kuba hafi y'Imana umuntu agira ubwoba kwa sababu arama ya kwanza ya kutokuwa karibu na Mungu mtu anakuwa na woga iyo mpamvu Yesu avuga gatiri muhumure iyo mpamvu igira ubwoba na Yesu amesema yinyi muishe woga Imana ishimwe na Mungu kandi Imana umugisha umukozi wayo na tena Mungu ambariki mtumishi wake hari mwene data Byamana wigoma kuna ndugu Byamana wa kutoka Goma nawe arashimira kugwi imitsi naye nashukuru kwa siku hizi ashobora kwa Mwenyezi Mungu baba yetu urakoze mwami Imana data kwa maana tulikusanyika mbele ya uwepo wako kuko twateranye imbere y'ubwiza bwawe tukiwa na njaa na kiu ya haki dufite zara n'inyota byo gukiranuka tunakushukuru tu tunaheshimu wakati ambapo ulisema utatuma na njaa na kiu turagushimira kugikoresha wakoresha ugatuma inzara n'inyota ya kusikia maneno yako yo kumva ijambo ryawe na mangaribi ya leo na no kumugoro uyu munsi kupitia chombo cha kukizaifu unyure mu gikoresho cyo gice bume tuzungumzia uratuganirije jina lako lipewe sifa izina ryawe rihabwe ishimwe utongeze imani baba yetu tukongerere kwizera data kwa maana vyote tunavyoviona kwa kibyo tubona byose vitapita bizahita lakini ulivyotuahidia ariko ibyo wadusezeranije ni vya milele ni byiteka ryose baba tosha kutokuelewa yote ndani yetu none mwami uvane usobanukirwe kose mutwe imani iliyo sawa sawa na maandiko matakatifu ukwizera usa n'ibyanditswe byera bariki chombo umetumia umugisha gikoresho wakoresheje na muda wote atasimama mbele watakatifu yako icyo sagara imbere yabira bawo upako yako iwe naye usigo kwa wewe kuzawane na wewe bariki kanisa huko alitoka umugisha itori ya turi bariki jamaa lake umugisha umuryango we na watumishi wako waliorudi kana bakuzi wawe batashye ingawa shida nubwo habaritse ibibazo lakini utawafikisha salama ariko wajitawageza amahoro bariki mchungaji wa kanisa hili umugisha mshumba wino tori bariki wazee anatumika pamoja nao bariki mashemasi wote umugisha wadiakoni bose bariki kanisa lote mzima umugisha itorero ryose na kushukuru binafsi kandi turagushima by'umwe kwa ajili ya mkutano wa watumishi uliofanyika hapa inama y'abakozi yabereye hano sifa na utukufu zikurudirie icyubahiro nishimwe bibyawe bibi arusha ni Mungu nipote umugisha umugeni ari wose ku isi bariki taifa lako la Israeli umugisha ihanga ryo rya Israeli salama na amani yako amahoro ndetse n'utekano tumesikia John ya leo ivuye mu ijambo tukubishe kuri mugoroba isikize kila mmoja wetu biherekeze buri wese utupatie kuwa na matumaini iliyo hai uduhe kugira ibyiringiro byuzuye kwa ajili ya kurudi yako kubwo kuza kwawe tunaomba tukikushukuru turagushima kandi ni wewe tusabye tukufu la Bwana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo na mkombozi wetu Yesu Kristo umwami wacu Yesu Kristo amen amen we mumuhaye inamutso munampatia salamu amora kitejeje mu mwese amani ya Kristo aondoke na kila mmoja Avec joie au nom de Jésus-Christ.
Tabasuza numunezero mwizina rya Yesu Kristo. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole. Ndabasaba guhaguruka dusome ijambo ry'Imana. Jean chapitre 14. Yohana igice cya 14. Ce soir nous lisons du verset 1 à 3 seulement. Kuri uyu mugoroba turasoma guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Dusenge. Dieu tout-puissant, notre Père céleste. Mana ishobora byose data uri mu ijuru. Nous venons humblement devant ta face. Et tuje duciye bugufi imbere yawe. Pour te remercier. Et kubwo kugushima. Et rendre grâce. Et mwami kugushimira. Pour tes bienfaits envers nous. Kubw'ibyiza udukorera. Tu as veillé sur mes frères et mes sœurs. Et wabaye maso ku gabene data na shiti bacu. Tu as veillé sur tous tes serviteurs. Warinze abakozi bawe bose. Tu nous as conduit dans ta maison pour te servir. None tuyoboye mu nzu yawe kuwe kudukorera. T'adorer ensemble. Kongera kuguhimbariza hamwe. Et partager cette précieuse parole. Ndetse no gusangira ijambo ry'igiciro. Bénis nos cœurs. Umugisha imitima yacu. Comme tu as dit, nkuko wavuze, heureux sont ceux qui ont faim soif de la justice. Utihahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Car ils seront rassasiés. Et kuko bazahazwa. Regarde à la faim, à la soif qui est à nous. Reba ku nzara n'inyota biri muri twe. Et permet que nous sortions rassasiés. Kandi wemere ko dusohoka hano duhaze. Satisfait. Tunyuzwe. De ce que Dieu nous a parlé. Tunyuzwe n'ibyo Imana iraba yatuvugishije. N'uburyo Imana iraba yaduhumurije. De ce que Dieu a guéri nos maladies. N'uburyo Imana iraba yakije uburwayi bwacu bw'imibiri. Car il est écrit. Kuko byanditse ngo. Tu les renvoyais à ta parole. Wabohereje ijambo ryawe. Et les guéris. Kandi ijambo ryawe ryarabakijije. Sois présent au milieu de nous ce soir. Ubane natwe kuri uyu mugoroba. Bénis ta parole que nous voulons lire. Uhe umugisha ijambo ryawe tugiye gusoma. Et bénis tout ce qui sera dit dans la prédication. Kandi uhe umugisha byose biri buvugwe mu kibwiriza. Nous te le demandons avec foi. Et tubigusabye twizeye. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus Christ. Mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous lisons la parole. Et turasoma ijambo ry'Imana. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand nous gondiez kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane wanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Umwami aho umugisha ijambo rye risomwe. Asoyez. Et mwicare. Ceci s'était passé à la fin du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ibi byabaye ahagana ku iherezo ry'ubukozi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Son temps est arrivé de quitter ce monde et de retourner au ciel. Igihe cye cyo kuva muri iyi si agasubira mu ijuru cyari kigeze. Et il devait donner ses paroles d'espoir à ses disciples. Kandi yagombaga guha abigishwa be amagambo y'ihumure. Il s'en va. Yuko agiye. Et il va préparer une place pour ses disciples. Et kandi ko agiye gutegurira ahantu abigishwa be. Pour leur dire que même si vous mourrez. Et abasobanurira ati nubwo mwapfa. La mort physique. Yababwira ati urupfu rw'umubiri. N'est pas la fin de la vie. Ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima. Après la mort physique. Et nyuma y'urupfu rw'umubiri. Si nous sommes croyants, niba kuko turabizera, nous allons à un autre endroit. Et harahandi hantu twimukira. Si nous sommes incrédules, iyo turi abatizera, il y a aussi un endroit que Dieu a préparé pour les incrédules. Hari n'ahandi hantu Imana yateguriye abatizera. En attendant leur jugement. Et mu gihe bategereje urubanza rwabo. Il dit qu'il va nous préparer une place. Et aravuga ati ngiye kubategurira ahanyu. Mais auparavant il dit que vous croyez en Dieu.
croyez aussi en moi. Ariko mbere yaravuze ati mwizera Imana nanjye munyizere. Il essayait de leur montrer que le Dieu invisible auquel vous croyez, yashaka kubereka ati ya Mana itagaragara mwizera, c'est moi qui est devenu invisible en chair. Ni jyewe wahindutse ugaragara mu buryo bwo kwambara umubiri. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Yaravuze ati jye na Data turi umwe. Et bien sûr, tous les disciples ne pouvaient pas comprendre cela. Et quand ils koko abigishwa bose siko bashobora gusobanukirwa ibyo ngibyo. Thomas le premier a dit, et Thomas ni wabanje kumbwira ati tu nous troubles. Et urimo ntago turi gusobanukirwa n'ibyo. Tu nous dis que tu t'en vas. Et urimo uratubwira ngo urimo uragenda. Tu nous dis que nous connaissons tu vas. Kandi ukavuga ngo aho ugiye turahazi. Non, nous ne le savons pas. Nyamara mu byukuri ntago tuhazi. Nous ne savons pas où tu vas. Ntabwo tuzi aho ugiye. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? None inzira twayibwirwa n'iki? Jésus dit, Yesu aravuga ati, je suis le chemin. Ni njye nzira. Je suis la vérité. Ni njye nzira n'ukuri. Je suis la vie. Kandi ni njye bugingo. Il est le chemin. Niwe nzira. Il ne leur montrait pas seulement le chemin. Il était le chemin lui-même. Nul ne vient au Père que par moi. Il ne leur montrait pas seulement la vérité. Il était la vérité elle-même. Ce n'était pas seulement un enseignant de la parole. Il était la parole elle-même. Ce n'était pas seulement un prédicateur comme nous qui prêchons la vie éternelle. Il était la vie éternelle elle-même. Et il ajouta, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est parce que vous ne me connaissez pas. C'est pourquoi vous ne connaissez pas non plus mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Kandi mwamwitegereje. Alléluia. Amen. Mais pour Philippe, ariko kubwo kurangiza, cela n'était pas non plus clair. Yari inzara arangiza bitarasobanuka bataravuga. Avuga bati oya oya. Nous te voyons toi ici. Ni wowe turi kubona. Mais le Père nous ne voyons pas. Ariko Data uvuga ntago tumureba. Montre-nous le Père. Twereke Data. Et cela nous suffira. Nous ne poserons plus d'autres questions. Si tu nous le montres. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et il a bien parlé, comme il était la parole, il n'a pas dit, vous ne m'avez pas connu. Parce qu'il y en a quelques-uns qui l'avaient déjà reconnu. Simon Pierre l'avait déjà reconnu. Et Simon Pierre avait déclaré, qui est le Christ. Simon Pierre avait déclaré, Simon Pietro yari yaratuye avuga ati, le Christ, ni wowe Kristo, le Fils du Dieu vivant. Umwana w'Imana nzima. Cette révélation kandi ko guhishurirwa était déjà reçue par Pierre. Et Petero yari yaramaze kugushikira. Mais pour d'autres disciples, ariko ku bandi bigishwa, quelque apôtre qu'il fut, et nubwo bari intumwa, ils ne le connaissaient toujours pas. Nyamara kugeza aho bari bataramumenya. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et je ne m'as pas connu, Philippe. Non, ne Philippe, nous l'amène. Celui qui m'a vu, Umbonye, il a vu le Père. Umbonye, ababonye Data. Pourquoi me demandes-tu encore, montre-nous le Père? Ni iki gituma ongera kumbaza ngo twereke Data? Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Ese ntago wizera ko Data ari muri jye nange nkaba ndi muri we?
les œuvres même que je fais. Et c'est imirimo ubwayo nkora. Ces œuvres, iyo mirimo, témoignent de qui je suis. Imirimo ubwayo ihamiriza si vous ne pouvez pas croire à moi, niba mudashobora kunyizera, en tant qu'homme, et nk'umuntu, croyez du moins à cause de ses œuvres. Nibura munyizezwe n'imirimo nkora. Car ses œuvres démontrent qui je suis. Et kuko imirimo ubwayo igaragaza ses œuvres même que le Père m'a donné d'accomplir. Iyi mirimo ubwayo data yampaye gukora. Ce sont les œuvres que le Père était censé accomplir lui-même quand il viendrait. Ni imirimo ubundi data yagomba kwikorera yiziye ubwe. Isaïe 37. Yesaya 35. Dites à tous ceux qui ont le cœur troublé. Mubwire abafite imitima itinya bose. Ne craignez pas. Voici votre Dieu. Dore imana yanyu. Il viendra lui-même. Izaza ubwayo. Il vous sauvera. Izaza ubwayo kandi bakize. Alors, noneho, les yeux des aveugles verront. Icyo gihe amaso y'impumyi azareba. Les oreilles des sourds entendront. Amatwi y'ibipfa amatwi azumva. Le boiteux sera comme un cerf. Abari bamugaye bazasimbuka. Indimi z'ibiragi zizagotoka. Kandi ubutumwa bwiza buzabwirizwa. Dieu était censé faire lui-même ses œuvres. Imana ubundi niyo yagomba kwikorera iyo mirimo. Mais si vous voyez un homme, ariko niba mubona umuntu noneho, qui fait les œuvres que Dieu était censé faire, arimo gukora imirimo data Imana yagomba kuba yikorera. Alors, noneho, Dieu est cet homme. Imana noneho ni c'est la même personne. Imana ni umuntu. Comment ne pouvez-vous pas comprendre ça? Ni iki gituma mudashobora kubisobanukirwa? C'était lui. Yariwe ubwe. Le Dieu visible. Imana itagaragara. Rendu visible. Yahindutse le créateur de toutes choses. Umuremyi w'ibintu byose. Là devant eux, en chair et en os. Ahagaze imbere yabo yambaye umubiri afite amagufwa. Le Dieu qui a créé toutes choses. Yamana yaremye ibintu byose. Est devenu un homme. Yahindutse umuntu. Et la parole fut faite chair. Kandi jambo yambaye umubiri. La parole qui était Dieu. Et jambo wari imana. Est devenu un homme. Yahindutse umuntu. Amen. Amen. C'est vrai. Nibyo. Aujourd'hui, uyu munsi, nous avons à différents endroits. Dufite ahantu henshi hatandukanye. Des hommes qui deviennent Dieu. Abantu bagenda bihindura imana. Chez nous au pays là-bas, et hari iwacu mu gihugu, il y en a eu déjà, et hamaze kubaho, trois que je connais, et batatu ni bunzi, un dans ma propre ville, umwe wo mu mugi w'iwacu neza neza, ils sont nés des hommes, et bavutse babyawe nk'abantu bisanzwe, sont allés à l'école, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, bagiye ku mashuri bariga bararongora barabyara, ariko mu kanya gato, ils deviennent Dieu, bati bahindutse imana. Ce sont des faux dieux. Et ni imana z'ibinyoma. Jésus, Yesu, n'était pas un homme. Ntabwo yari umuntu. Qui est devenu Dieu. Wahindutse imana. Il était Dieu d'abord. Ahubwo yabanje kuba imana. Et il est devenu un homme. Nyuma ahinduka umuntu. Le créateur des cieux et de la terre. Umuremyi w'ijuru n'isi. Tout. Ibintu byose. A été créé par lui. Ibintu byose niwe wabiremye. Et pour lui. Kandi nawe byaremewe. C'est vrai. Et nibyo n'ukuri. Mais ariko quand il voulait s'en aller, igihe yendaga kugenda, il devait rassurer ceux qui avaient cru en lui. Yagombaga guhumuriza abantu en leur faisant des promesses, abasigira amasezerano. D'un autre endroit, et abasezeranya handi hantu, où il nous attend, où il nous recevra, aho adutegerereje azatwakirira. Et il est allé préparer cet endroit. Kandi yagiye gutegura aho hantu. Il ne peut pas nous recevoir à un endroit qu'il n'a pas préparé. Ntabwo yatwakirira ahantu atateguye. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Imana ntabwo yakora ibyo ngibyo. Même nous les hommes. Ndetse nous voulons recevoir quelqu'un. Iyo hari umuntu dushaka kwakira. Nous préparons quand même un endroit où le recevoir. Byose hari ahantu dutegura aho kumwakirira. Dieu est allé préparer cet endroit. Imana yagiye gutegura aho hantu. Ça fait 2000 ans qu'il est parti. Kandi hashize imyaka 2000 agiye. Et
c'est un endroit merveilleux. Quand on a hanu heza hatangaje. Nous allons le montrer. Et tu raza kuzaherikana mu gihe cyo. Dans la manière de faire du Dieu. Mu buryo Imana ikoramo. Il doit préparer un endroit pour recevoir ses enfants. Igomba gutegura ahantu kwakirira abana bayo. Quand il a placé ses enfants pour la première fois ici sur la terre. Gambereje yashiraga abana bayo hano ku isi. Il devait d'abord préparer cette terre. Yagomba kubanza kubategurira isi. Voyez pourquoi ces enfants ont été créés les toutes dernières. Il a préparé cette terre. Cette terre était un endroit préparé pour y vivre. Quand Adam a été placé sur cette terre, tout était parfait. Il devait vivre éternellement. En tant que fils de Dieu. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de vieillesse. La vieillesse est le signe de la mort. Quel que soit votre orgueil, quand cette vieillesse commence, les fossés ici commencent à se creuser, le dos commence à se courber, malgré votre orgueil, c'est un signe précurseur de la mort. Mais Adam ne devait pas mourir. Il devait rester jeune. Yagomba kuguma ari umusore. Je vais vous dire quelque chose qui n'y avait pas cet an-là. Vous allez vous étonner. Ndaza kubabwira ikintu kitari gihari icyo gihe ibiraza kubatangaza. Aujourd'hui, quand vous allez en brousse, uyu munsi iyo ugiye mu bihuru, vous voyez certains arbres. Urabonayo ibiti runaka. Aho kugira ngo ubibone bigororotse. Nta nubwo bikeneye kubanza kujya mu bihuru. Aho kugira ngo igiti kigororoke. Urabona igiti cyarihese nk'umuntu ufite inyonjo. Mais au commencement, il n'y avait pas d'arbre courbé. Tous les arbres se dressaient bien droit. Il n'y avait pas d'épines ni de ronces. Cela est venu après que Dieu a maudit le sol. Ibyo byose byaje uhereje Imana yavumiye ubutaka. À cause du péché. Bitewe n'icyaha. Il n'y avait pas d'ouragan. Et nta miyaga ikomeye. Il n'y avait pas de typhon. Nta byorezo byabagaho. Tout ça, ça n'existait pas. Ibyo byose nta byari bihari. Sur la terre, il n'y avait que 12 filles, un vent doux et léger. Ici, habaga umuyaga utuje gusa umwuka mwiza. Watumaga flotter les branches de ça. Amababi n'amashami y'ibiti yinyeganyeza gusa. Mais tous les animaux obéissaient à Adam. Ariko inyamaswa zose zumviraga Adam. Y compris le lion. Ni intarubwa yumviraga Adam. Y compris tous les animaux féroces. Et ni inyamaswa zose zinkazi. Il les appelait chacun par son nom. Buri nyamaswa yihamagaraga mu izina rye. Le gros lion. Kandi intare rwa nini. Comme un chien à se coiffer. Yasubizaga Adam ikamwita bizunguza umurizo nk'imbwa akayibwira ati genda uryame arika Adamu Adamu yari ameze nk'Imana yari Imana ntoya yari afite ahantu he hano ku isi Imana yo yari Imana ikomeye ishobora byose itegeka ibyaremwe byose Alleluya Amen. Cette terre ici était un paradis, on l'appelait paradis terrestre. Ici, yitwaga paradiso yo hasi. Paradis, ça signifie paradiso bivuga un lieu, ahantu, un endroit où il n'y a que le bonheur, où il n'y a que la paix, où il n'y a que la félicité, ahantu, il n'y a ni douleur ni cri, ahantu, il n'y a aucune mère qui pleure son bébé, ahantu, il n'y a aucune femme qui pleure son mari, ahantu, il n'y a aucun homme qui pleure sa femme, ahantu, il n'y a rien de tout ça, c'était un paradis terrestre. Yari paradiso yo hasi.
préparé le quartier général de ce paradis. Quand l'imane a été gouéha, nous, il a placé le quartier général à l'intérieur. Toute la terre c'était un paradis. Ici, il y a paradis. Mais il a placé un quartier général. C'est là qu'il a placé ses enfants. Mais Satan a et Satan, quand il est devenu Satan, au début il n'était pas Satan. Satan signifie l'adversaire. Et Satan bivuga umwanzi. Au début il n'était pas un adversaire. Ariko mbere ntabwo yari umwanzi. C'est un chérubin protecteur. Yari umukerubi urinda. Un chef parmi les anges. Yari umukuru mu bamarayika. Il avait les ailes déployées. Yari afite amababa yabambaga. Toute la on lui on chantait même à son honneur. Ndetse yararirimbirwaga nawe. Mais se glorifier. Aza kwihimbaza. Il a voulu être plus que Dieu. Ashaka kuruta Imana. Il a voulu être adoré à la place de Dieu. Ashaka gusengwa mu mwanya w'Imana. Et Dieu l'a chassé aussi. Imana imwirukana mu ijuru. Maintenant. Non, ného. Il est chassé aussi. Ama Imana imwirukanye mu ijuru. Et on lui donne rien. Avayo ntacyo wamuhaye. Il n'a rien. Nta kintu asigaranye na kimwe. Satan n'a rien. Et Satan il trouve la terre. Dieu l'avait donné à l'homme. Le ciel. Ijuru. Qui appartient à Dieu. Ijuru ari et Dieu l'a chassé là. Il ne lui a rien donné. La Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il n'a aucun endroit. Beaucoup de gens sont trompés. Abantu benshi bari beshya bakavuga ngo si vous demandez à Dieu, muramutusabye Imana, Dieu tarde à donner. Ngo Imana itinda gusubiza. Si tu demandes à Satan, ngo ariko usabye Satani. Satan we ngo atanga vuba. Satan peut vous donner beaucoup. Ngo Satan ashobora kuguha byinshi. C'est un mensonge. Icyo ni ikinyoma. Satan n'a rien. Satan nta kintu afite. Oh Satan peut te bénir. Ngo Satan ashobora kumugisha. Gute. Comment celui qui est maudit? Ni gute wavumwe. Peut bénir. Ashobora gutanga umugisha. Comme nous l'avons lu hier. Nkuko twabisomye ejo. C'est Dieu qui enrichit. Imana niyitungisha. C'est Dieu qui bénit. Imana niyitanga umugisha. Tout c'est Dieu. Byose ni Imana. Alléluia. Amen. Comme il n'avait rien. Et kuko nta kintu yari asigaranye. Alors. Il a conçu de la haine pour l'homme. Il a conçu de la jalousie pour l'homme. Il a commencé à chercher comment faire chuter l'homme pour que l'homme soit aussi maudit comme lui. Et par ruse, Dieu l'a chassé. Il est venu l'enseigner à Ève pour commencer. Le moyen de être comme Dieu, de commencer à créer. Amushuka ko yamwigisha uburyo yamera nk'Imana karema. Dieu vous a caché ça. Ati Imana ibyo ngibyo yabibahishe. Si tu fais ça, tu verras. Ukoze gutya wareba. Tu seras comme Dieu. Wamera nk'Imana. Connaissant le bien et le mal. Ukamenya ibyo. Et pourtant Adam était déjà comme Dieu. Nyamara n'ubundi Adamu yarabaye Imana. Yari umwana w'Imana. Toutes choses lui obéissaient. Ibintu byose byaramwubaka. Yashobora no gutegeka igiti. Akakibwira ati wagiti we. Haguruka uve hano. Igiti kikamwubaha. Yari umwana w'Imana. Mais par ruse. Ariko kubw'ubucakura. Il a entraîné l'homme. Yasunikiye umuntu. Dans la désobéissance. Yasunikiye umuntu mu kutumvira. Dans le péché. Amusunikira mu cyaha. Kandi le moyen enseigné par Satan pour se reproduire. Uburyo bwigishijwe na Satani bwo kubyara no kororoka. C'est par ce moyen. Ni muri ubwo buryo. Binyuriye mu gitsina. La terre a été habitée. Ngo ni bwo buryo isi yose yabashe guturwa n'abantu. La terre est peuplée aujourd'hui. Isi uyu munsi yuzuye abantu.
des enfants mortels. Yuzuye abantu bapfa. Tout celui qui est né d'Adam. Wavutse wese aturuka kuri Adamu. Wavutse wese aturuka kuri Eva. N'umwana utegereje gupfa. Hari abapfa. À une heure de leur naissance. Agapfa amaze isaha imwavutse. Hari abapfa à deux jours de leur naissance. Hari abapfa amaze imyaka ibiri. Hari abapfa amaze imyaka 12 ans. Hari abapfa amaze imyaka 12 ans. Hari abapfa amaze 30 ans. Hari abapfa amaze 80 ans. Uwo abaye umunyembaraga. Bose baranihana. Bose baranihana. Heureusement. Ariko amahirwe. Imana. A promis. Imana yatanze isezerano yuko hazaboneka umucunguzi. Urubyaro rw'umugore ruzaza kandi natwe tuzasubira mu busitani bwa Edeni, tuzasubira muri paradizo bushya. Amen. Uko niko iyi si dutuyeho uyu munsi ari isi yangiritse, isi yanduye, ubugome buri ahantu hose, icyaha kiri hose, muri iki gihe cya nyuma urubyaro rw'abakiranutse rurimo kugenda rugabanuka cyane, urubyaro rw'abagome rurimo kwiyongera. Aujourd'hui, pour voir le péché, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Vous verrez le péché partout sur la route. Mais Ariko, Dieu a promis qu'il purifiera de nouveau ce ici. Que ce soit un endroit où nous allons habiter. Ahantu tuzatura. Un endroit habitable. Ahantu hakwiriye guturwa. Laissez-moi lire cela. Mureke mbibasomere. Deuxième Pierre. Et Petero wa kabiri. Chapitre 3. Petero wa kabiri ibice bitatu. Verset 13. Murongo wa 13. Mais nous commençons verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qui les renferment sera consumée. Isi n'imirimo yirimo bigashirira. Dieu va purifier ça. Imana izatunganya. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Et kubera ko ibyo byose byangiritse. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc ubwo ibyo byose bizayenga bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Et quand il trouve Imana mon Jésus, tu te couvres avec tes jours enflammés se dissoudront. Et les éléments brasés s'effondreront. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Non. Et Jésus, kandi Yesu, le bon maître, umwigisha mwiza, bien enseigné, yaratwigishije neza. Et comme il n'y a pas la justice sur la terre, nta gukiranuka kuri iyi si. Si quelqu'un veut amener chez les juges, et non, ni iki gituma mujya mu bacamanza, arrange-toi avec lui avant. Et aho kujyana n'umugenzi wawe ku mucamanza mubanze. Avant d'arriver là-bas. Mubanze. Parce que les méchants ont la langue fourbe. Et kubera ko abagome bagira ururimi rwuzuye amagambo. Ils ont tous les moyens. Kandi bagira amafaranga n'ubundi buryo bwose. Kugira ngo babe banacisha urubanza ku bakiranutse. Wowe itunganye nawe mbere y'uko mugera imbere y'umucamanza. Kubera ko ushobora kuba nibwo bizakubera byiza kuruta kujya imbere y'umucamanza. Haleluya. Amen. C'est vrai.
Nibyo. Il y a un monde. Et harisi. Que Jésus est allé préparer. Harisi, Yesu yagiye kudutegurira. Où il va nous recevoir. Aho azatwakirira. Ce monde sera habitable. Kandi aho hantu hazabaho gutura heza. La vie éternelle. Hazaba hari ubugingo buhoraho, umunezero buhoraho, ibyiza bihoraho, ubusore buhoraho. Tout sera de nouveau parfait. Byose bizongera kuba bitunganye bundi bushya. Amen. Amen. Très bien. Nibyo. Maintenant. Noneho. Dieu tout ce qu'il fait parfait. Imana ibyo ukora byose biba bitunganye. Pour ses enfants. Et kubw'abana bayo. Avant de les amener ici. Mbere yo kubazana hano. Il a préparé la terre. Yabanje gutegura isi irayitunganye. Et Satan l'a suivi. Ariko Satani yarayanduje. Il continue à la suivre. Kandi arakomeje kuyanduza. Pour l'enlèvement, il a préparé la nouvelle Jérusalem pour nous recevoir. Quand nous mourons, avant même d'aller dans la nouvelle Jérusalem, il a préparé aussi un endroit où nous irons. Aho tuzajya. Quand le millénaire va commencer, igihe imyaka igihumbi y'ubwami izatangira, le royaume de Jésus-Christ sur la terre, ubwami bwa Yesu Kristo hano ku isi, un royaume qui durera 1000 ans, ubwami buzamara imyaka igihumbi, et où les hommes, aho abantu, qui n'ont pas jusqu'ici accompli 1000 ans, batari bamara imyaka igihumbi, personne sur la terre n'a vécu 1000 ans, hano ku isi nta muntu n'umwe wigeze amara imyaka igihumbi ariho, parce que pour Dieu, kubera ko ku Mana, 1000 ans, imyaka igihumbi, imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe ku Mana, kandi uyu munsi ukurikije uko Imana ibara, nta muntu n'umwe wigeze amara umunsi umwe hano ku isi. L'homme qui a vécu le Adam, parlons d'Adam. Umuntu wamaze tuvuge Adam a vécu Adam yamaze imyaka 130 ans. Imyaka ya 930. C'est-à-dire moins d'un jour selon Dieu. Bivuze ngo ntago yari yuzuje umunsi ukurikije uko Imana ibara. L'homme qui a vécu plus longtemps jusqu'ici sur la terre. Umuntu wamaze imyaka myinshi kugeza uyu munsi hano ku isi. Ce nom est Metushela. Enu witwa Metushela. Lui, il a vécu 963 ans. We yamaze imyaka 963. Il n'a pas accompli un jour. Ariko ntiyigeze yuzuza umunsi umwe ukurikije uko Imana ibara. La parole de Dieu qui a dit. Ijambo ry'Imana ryavuze riti. Le jour où tu mangeras. Umunsi uzarya kuri icyo giti. Tu mourras. Uzapfa. Est véritable. Kandi byanze bikunze uzapfa. Personne jusqu'ici. Iryo jambo ni ry'ukuri kubera ko uyu munsi ugeze uyu munsi nta muntu n'umwe uramara umunsi umwe ku Mana ibara. Ariko mu gihe cy'imyaka igihumbi hazaba hari abantu bazamara imyaka igihumbi bakanayirenza. Kubera ko imyaka igihumbi nitangira igasanga ufite imyaka 20, ushobora kumara imyaka igihumbi kongeraho 20 warusanganywe ikaba imyaka igihumbi 20. Ibyo bizabaho gusa mu gihe cya milenio, niho umuntu azagira imyaka igihumbi. Ariko kubwo kuza gutegeka ku myaka igihumbi y'ubwami, kubera ko habayeho intambara nyinshi n'amaraso menshi, beaucoup de pourriture, n'ibyanduza byinshi n'ibibozo byinshi, Imana yasezeranyije yuko hazabanza kubaho gutunganya mbere yuko tuza gutegeka imyaka igihumbi. Amen. Retournons un peu à Colossiens. Dusubire gatoya mu Bakolosayi. Colossiens. Abakolosayi. Chapitre 1. Abakolosayi igice cya mbere. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Kuko muri we harimo byose byaremewe ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Les visibles et les invisibles. Biboneka n'ibitaboneka. Trône, dignité, domination, autorité. Intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Tout a été créé par lui et pour lui. Niwe wabiremye kandi rero ni nawe byaremewe. Et dans Jean 14 il dit. Kandi muri Yohana 14 aravuga ati.
Je vais vous préparer une place. Ngiye kubategurira ahanyu. Et je reviendrai. Et kandi nzagaruka. Et je vous prendrai avec moi. Nzagaruka mbajyane. Là où je suis, vous soyez aussi. Kugira ngo aho ndi namwe mubeyo. Si cela n'était pas, ati yaba atarukomeze, je vous l'aurais dit. Nari kubibabwira. Si ce n'était pas un endroit réel, yaba atara ahantu hafatika hari, hahari, je vous l'aurais dit. Nari kubibabwira. Cet endroit existe. Bisobanuye rero ko aho hantu harahari. Comme celui le créateur. Ubwo rero ari we muremyi. Nous pouvons avoir confiance en lui. Dukwiye kumushyigikira. Comme celui qui a créé toutes choses. Kubera ko niwe waremye ibintu byose. Et il nous dit. Kandi aravuga ati. Si cela n'était pas. Yaba hadahari. Je vous l'aurais dit. Nari kubibabwira. Voilà pourquoi je vous prêche. Ati niyo mpamvu. Sur les choses qui doivent être. Niyo mpamvu mbabwiriza ibintu bigomba kubaho. Qui doivent venir. Ce sont des réalités. Parce que c'est le Créateur qui l'a dit. Si c'est Satan qui l'avait dit, nous ne pouvons pas être sûrs. Il pouvait nous mentir parce qu'il n'est pas Créateur. Amen. Amen. Comme. Non, ne vous. Dans les milieux des dénominations. Et vous commencez mon matin. Et dans les milieux de la magie. Je ne vous dis pas d'aller vérifier dans les milieux de la magie. Non, mais nous savons que. Ariko tuzi ko. Ils mentent. Ils disent aux gens qu'il y a un royaume quelque part. Babwira abantu ko hari ubwami buri ahantu runaka. Les dénominations. Abanyamadini nabo. Babwira abantu. Ils prêchent avec force. Babwirizanya imbaraga. Venez. Batine muzi. Nous allons vous délivrer. Ndaba batura. Parce que vous avez une femme dans le monde invisible. Et kubera ko ngufite umugore hirya mu isi itagaragara. Ils appellent cela femme de nuit. Ibyo babyita ngo nabagore ba nijoro. Si c'est une femme, viens, nous allons te délivrer. Oui, notre si mari, un mari, dans le monde invisible, ils appellent ça mari de nuit. Ils disent, bakavugango, il est ici comme un homme avec nous. Mais dans le monde invisible, il y a une femme et des enfants. Ils disent, voyez-vous ce petit garçon ici? Et, mwana, ici nous voyons que c'est un petit garçon. Mwana, mais dans le monde invisible, c'est un grand, il a une femme et des enfants. Mkuru, kanafite, yaba, gore, mkure, il ment. Le monde invisible n'existe pas. Iyo si yabo bavuga itagaragara nta ibaho. Le monde invisible, c'est seulement ce que Dieu a créé. Niya yindi gusa Imana yaremye. Dans le monde invisible, comment peuvent-ils avoir des enfants? Et c'est moi ici, ta caragara, ni kute wajia. Les morts ne se reproduisent pas. Aba fuyen ha go bororoka. Au ciel, on n'ira pas se reproduire. Et kani mwijuru ha go tuzajya kororoka. Parmi les morts, on ne se reproduit pas. Ndetse mu bapfuye ubwabo ntago bororoka. La reproduction, c'est seulement ici sur la terre. Kororoka bibera hano gusa ku isi. Parmi les hommes, et mubantu, parmi les animaux, et munyamaswa, parmi les poissons, et mumafi, parmi les oiseaux, et munyoni, parmi les plants, et mubyabimera, c'est là qu'il y a la reproduction. Aho niho honyine hari kororoka. Pas de reproduction dans soi-disant monde invisible. Ariko nta kororoka kuba muri iyo si bavuga itagaragara. Il n'y a pas de reproduction parmi les anges. Nta kororoka kuba mu bamarayika. Il n'y a pas de reproduction même parmi les saints qui sont déjà morts. Nta kororoka kuba ndetse n'umubera bavuga. Nous croyons à des choses seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Imana yavuze mu ijambo rye. Si Dieu nous a parlé d'un ciel, niba Imana yatubwiye ibyerekeye ijuru, nuko ijuru rihari. Si nous a parlé d'un paradis, niba yaratubwiye ibya paradiso, le paradis existe. Byanze bikunze paradiso irahari. Si nous a parlé, niba yaratubwiye de Hadès. Et que bien était Ikuzimu. C'est que le Hadès est. Non, que Ikuzimu Hahari. Si nous a parlé de l'enfer. Niba yaratubwi Ikuzimu. L'enfer existe. Ikuzimu Hahari.
Et la terre, bien sûr. Kandi n'isi nayo. Elle existe parce que nous sommes là. Ici, irahari kuko turayibona. On n'a pas besoin d'expliquer que la terre existe. Ntabwo dukeneye kubanza gusobanura ko isi ihari. Mais c'est ce que Dieu a créé. Ariko ibyo ni Imana yari. Il n'y a pas seulement la terre. Ntabwo ari isi gusa. Il y a les planètes. Ahubwo hari n'indi mibumbe. Il y a Mars. Hari Mars, hari Jupiter, hari Saturne. Hari Saturne. Il y a beaucoup de planètes. Hari indi mibumbe myinshi. Il y a la lune, il y a le soleil. Hari ukwezi, hari izuba. Ça existe. Ibyo byose biriho. Vous ne croyez pas que le soleil existe. Nubwo utakwizera ko izuba ribaho. Cyo bigusaba gusa ni ukubona umuco w'izuba. Ça existe. Izuba rirahari. Il y a d'autres étoiles que nous ne pouvons pas voir. Hari n'izindi nyenyeri tutabasha kubona. Mais ça existe. Ariko nyamara ziriho. Nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux. Nubwo tudashobora kuzibonesha amaso. Un télescope, et là-bas, vous pouvez voir à des milliers d'années de lumière. Donc ça existe. Et puis vous écoutez, et Dieu verra les choses visibles. Et quand la lune existe, et où est-ce que les choses visibles, et Dieu vous a dit, nous verrons les étoiles existent. Ce sont des choses visibles. Nous verrons les étoiles. Les planètes existent. Imibumbe irahari. Même si nous ne les voyons pas avec nos yeux, tutayibonesha amaso yacu. Avec des machines nous pouvons ariko les voir. Hakoreshejwe ibikoresho byagenewe biragaragara. Ni ibintu biboneka. La Bible dit. Bibiliya iravuga iti. Dieu a créé. Imana yaremye. Toutes les choses. Ibintu byose. Qui sont dans les cieux. Biri mu kirere. Sur la terre. Nibiri ku isi. Les choses visibles. Ibiboneka. Et les choses invisibles. Ndetse n'ibitaboneka. Il n'y a rien que Satan a créé. Nta kintu na kimwe Satani yaremye. Tout ce que les gens des dénominations et du monde de la magie, tout ce qu'ils racontent, ce sont des mensonges. Nous ne pouvons pas leur donner notre foi. Nous pouvons croire que ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ce soir, pendant 15 minutes, je vais vous parler d'un de ces endroits, le ciel. Parce que la Bible en parle. Je vous donne des écritures. Ésaïe 66, versets 1 à 2. Acte 7. Ibyakozwe n'intumwa igice cya karindwi umurongo wa 46 kugeza ku wa 50 ndabaha n'ahandi Luka 24 kandi aho dushobora kubasoma Luka 24 dushobora gusoma muri Luka 24 umurongo wa 50 pendant qu'il les bénissait. Il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Akiba umugisha atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru. Le ciel existe. Ijuru rirahari. La Bible dit. Bibiliya iravuga iti. Le ciel est mon trône. Ijuru ni intebe yanjye. Et la terre mon marchepied. Kandi si ni intebe y'ibirenge byanjye. Quelle maison me bâtirez-vous, dit Dieu? Mwanyubakira nzu ki ni ko utekabaza? Et quel lieu de repos pouvez-vous me donner? Kandi aho kuruhukira mwampa nahahe? Toutes les choses. Ibintu byose. N'est-ce pas moi qui les ai créées? C'est byose si je wabiremye? Le ciel existe. Ijuru. C'est un endroit où Dieu est, où Dieu habite. Nahantu Imana ituye. Dieu n'est pas comme le vent. Le vent est partout, même dans les trous de WC. Mais Dieu est un être. Il habite quelque part. Cet endroit s'appelle le ciel. Et il est là-bas avec les anges. Les anges fidèles. Les autres qui se sont rebellés. Ils sont devenus des démons. Et leur chef c'est Satan. Dieu les a chassés du ciel. C'est pour vous dire que le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. C'est Satan ni Satani qui a
commencé la révolte contre Dieu. Et Satan nous attendait au pic de Dieu. Quand il a péché, quand il a entraîné un groupe d'anges, il les a chassés de là. Imana, ibiruka na ngaho. La Bible dit Ephésiens, Bibiliya iravuga mu Efeso, Efeso 6, ils sont dans les lieux célestes. Yuko bari mu kirere. Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Satani, ils n'ont pas d'endroit. Ils sont dans les airs. Ari mu kirere gusa. C'est vrai. Nibyo. Mais comme c'est Satan, c'est un pollueur. Ariko kandi kuko Satan ari umuntu ari uwanduza. Il a pollué tout. Yanduje byose. Pourquoi maintenant le vent se révolte? Niyo mpamvu umunsi umuyaga wivumbura inyanja zikivumbura. Les hommes se révoltent. Abantu bakigomeka. Les animaux se révoltent. Inyamaswa zikigomeka. À cause de Satan. Kubera Satan. La pollué partout. Yanduje hirya no hino, yaranduje hose. La pollué la terre. Yanduje isi. La pollué. Yanduje ikirere. Il a même pollué le ciel. Ndetse yanduje no mu ijuru. Parce que Satan. Kubera ko Satan. Malgré que Dieu l'a chassé de là. Nubwo Imana yamwirukanyeyo. De temps en temps. Rimwe na rimwe. Satan a encore accès au ciel. Satani yemererwa kongera kugera mu ijuru. Les démons, de temps en temps, ont accès au ciel. Bemererwa kugera mu ijuru. Vous voulez prouver, notez seulement. Et kubwo kugira ngo mubimenye neza mu byandike abantu gusa. Et mu mateka ya Yobu. Et dans l'histoire de Miché. No mu mateka ya Mikaya. Avec les 400 prophètes de Baal. Et hamwe n'abahanuzi 400 ba Baal. Dans l'histoire de Job. Mu mateka ya Yobu. La Bible dit. Bibiliya iravuga ngo. Dieu était assis sur le trône. Imana yari yicaye ku ntebe yayo. Et les fils de Dieu étaient autour de lui. Abana b'Imana bayigose. Les fils de Dieu sont des anges. Abana b'Imana bavugwa na bamarayika. Dans cette écriture là. Muri icyo cyanditswe aho ngaho. Et la Bible dit. Kandi Bibiliya iravuga. Et Satan est venu au milieu de. Et Satani aza muri bo. Et Dieu lui a dit. Et none Imana yamubwira iti. Satan, d'où viens-tu? Satan uturutse he? Il a répondu. Arasubiza ati. Je viens de la terre. Mvuye mu isi. Je viens de me promener partout. Mvuye kuzerera hose. Et Dieu lui dit. Imana yamubwira iti. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ese wabonye umugaragu wanjye Yobu? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Nta muntu n'umwe umeze nkawe ku isi. C'est un homme qui craint Dieu. Ni umuntu wubaha Imana. Et qui est le mal. Kandi wanga ikibi. Et noneho. Satan dit oui, c'est vrai. Satan avuga ati nibyo ni ukuri. Il fait ça avec intérêt. Et abikora kubera ko afite inyungu. Parce que tu l'as gâté sur la terre. Kubera ko waramutetesheje ku isi. Bonne santé. Afite ubuzima bwiza. Afite umugore mwiza. Afite abana beza. Il a beaucoup d'élevage. Afite amatungo menshi, afite imirima. Il te sert avec intérêt. Agukorera afite inyungu. Je dis non. Imana yavuga ito ya. C'est un homme fidèle. Ni umuntu w'umukiranutsi. Je dis non, permets-moi de lui arracher ses biens. Nyemerera mwambure ubutunzi bwe. Il va voir, il va te maudire. Uzabona uburyo azakuvuma. Je dis. Imana yavuga iti. J'ai confiance en lui. Jyewe mufitiye icyizere. Va lui arracher. Genda umwambure. Va lui arracher tout ça. Genda umwambure ibyo byose uvuga. Et à même seul jour, il a frappé. Mon soumoué wonyine arakubita. Le feu est tombé sur ses champs. Umuriro ugwa ku mirimaye. La foudre est tombée. Et inkubi irakubita. Ses vaches. Ikubita inka ze. Ses enfants étaient en train de festoyer dans une maison. Abana be bari mu munsi iyo nzu barimo irabagwira. Et il a tout perdu à même seul jour. Umunsi umwe byose arabitakaza. Et Dieu dit. Imana yavuga iti. Je vois Satan. Et Satan urabibona. Je vois qu'il est toujours fidèle. Urabona ko akiri umwiringirwa kuri Dieu. Parce qu'il a dit. Kubera ko yavuze ati. Je n'en fais pas tout ça. Ibi byose ntabyo nari mfite. Dieu qui m'a donné. Imana niyo yabimpaye. Maintenant qu'il a repris ce qu'il m'a donné. None ubwo yisubije ibyo yampaye. Que son nom soit béni. Izina ryayo rishimwe. La foi ne dépend pas de bien. Kwizera ntabwo guterwa n'umutungo ufite.
La foi est un don de Dieu. Impano, dans n'importe quelle condition, nous gardons la foi. Alors Satan dit, Satan a dit, oui, nibyo, tout ce que l'homme possède, il peut s'en séparer. Mais un homme arikumuntu, tient à sa peau. Umuntu akunda urugwe. Il tient à sa vie. Nukuga ngo akunda ubuzima bw'umubiri. Laisse-moi toucher à sa peau. Non, non, nyemera mukwe ku mubiri. Il verra qu'il va te maudire. Uzabona ko azakuvuma. Mais pourquoi tu m'excites contre mon serviteur? Je te dis qu'il est fidèle. Tu dis non, c'est tout primé. Il a encore toute sa santé. Et Dieu lui a encore permis. Il a touché à sa santé. Il a attrapé une espèce de ulcère malin, espèce de cancer de peau. Il ne pouvait que se gratter. Il ne pouvait plus se gratter avec les doigts. Il se grattait avec des prix de bouteilles. Il avait la santé, il a tout perdu. Noneho atakaza ubuzima bwe. Sa peau s'attachait pratiquement à ses os. Et noneho kugeza ubwo uruhu rwe rwari rufatanye n'amagufwa. Eh, il n'a toujours pas maudit. Et kandi kugeza hose ntigeze yihakana Imana. Est venu l'exciter. Mais pourquoi arazara mushotora ati niki gituma uguma kwiringira iyo Mana? Maudit Dieu, mais. Wowe tuki Imana gusa wipfire. Mais Job lui a dit. Ariko Yobu aramubwira ati, ne parle pas ainsi. Tu es censé être une bonne femme. Wa gombye kuba uri umugore mwiza. Ne parle pas comme ces femmes insensées. Wivuga nk'abagore b'abapfapfa. Frère Branham a fait un petit commentaire. Il dit, voyez, Job n'a pas insulté sa femme. Yobu naho ntiyatutse umugore we. Tu es une femme insensée. Bamubwira turi umugore w'umupfapfa. Oya. Les chrétiens n'ont pas l'insulte à la bouche. Abakristo nta bitutsi bagira mu kanwa. Il a dit, ahubwo yaramubwiye ati, parle comme une femme insensée. Uravuga nk'umugore w'umupfapfa. Et il est toujours resté fidèle. Kandi yagumye akiranukira Imana. Noneho Job, Yobu, dans tout ça, Yobu muri ibyo byose, il pensait que yatekerezaga ko c'est Dieu qui le frappe. Yatekerezaga ko ari Imana iri kumukubita. C'est Dieu qui le traite comme son ennemi. Yibwiraga ko ari Imana yamufashe nk'umwanzi wayo. Kandi akageza kwivuganira akavuga ati, mwami nagerageje kuguma ndi umukiranutsi imbere yawe. Et ses amis sont venus. Quand il est sorti des arrachés, il est mort. Aucun homme ne peut pas dire il est pire devant Dieu. Nta muntu n'umwe ushobora kugumata akira ngo ne mente pas. Yobu ntago yabeshaga. Il n'était pas pire par lui-même. Ntago yari we wigize umukiranutsi. Il faisait le sacrifice. Ahubwo yaritangaga. Que Dieu avait ordonné pour le péché. Yatangaga ibitambo byose Imana yategetse cyo gukuraho ibyaha. Kandi yarabyikorera gukora akora n'abana be. Avait commandé, et à cause de cela, Dieu ne considérait pas ce propre fort, parce qu'il y avait une expiation pour lui. Exactement comme pour nous aujourd'hui, Dieu ne considère pas nos fautes, parce que notre confession est en Christ. Si nous arrivons à faire une erreur, nous réclamons la grâce et la miséricorde de Dieu, et le sang de son Fils, pour purifier de tout péché. Voilà sur quoi nous nous considérons, que nous sommes justes, parce que ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Jésus-Christ. Ahubwo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Amen. Job disait qu'il est juste. Yobu yavuga ko ari umukiranutsi. C'est Dieu qui me frappe. Ariko ati Imana ni iri kunkubita. Il ne savait pas. Ntabwo yarazi ko. Que c'est Satan. Yuko ari Satani. Qui le frappe. Ntabwo yarazi ko ari Satani umukubita. Ntabwo yarazi ko ari Satani. Wagiye kumusaba. Vous voyez. Murabibona. Nous ne savons pas ce qui se passe. Ntabwo tuzi ibitubaho. Satan est toujours appelé l'accusateur des frères. Cyose aracyitwa umurezi wa bene data. C'est lui niwe
qui va nous accuser jour et nuit, comme dans le cas de Job. Quand Job a compris cela à la fin, dans la révélation, il s'est écrié, mais cette fois-ci, je sais que mon rédempteur est là. Umucunguzi wanjye ariho kandi ni muzima kandi umunsi umwe azaza kandi azanjyana. Amen. C'est vrai. Nibyo. Donc Satan. Nuko kuvuga ngo Satan. Encore accès au ciel. Aracyemererwa kwinjira mu ijuru. Dans l'histoire de Michel c'est pareil. Mu mateka ya Mikaya niko bimeze nawe. Akab. Ahabu. Avait fait tuer Naboth. Yari yaricishije Naboth. Et Dieu. Kandi Imana. Le prophète Élie. Imana yohereje umuhanuzi Eliya. Kugira ngo amuvume. Avume na Jezebel. La parole de Dieu sorti par Élie le prophète. Ijambo ry'Imana risohoka mu kanwa ka Eliya. Élie se retiré dans les montagnes. Noneho Eliya yisubirira mu misozi. Eh, ataba Dieu, c'est quoi ça? Akaba aravuga ati ni bikisi. Plus tard, ariko nyuma, Élie était déjà mort. Élie yari yaramaze gupfa. Élisée aussi. Élie yari yaramaze kuzamurwa. Michée le prophète. Élisa nawe yarapfuye, hari Mikaya umuhanuzi. Maintenant, noneho, la Bible dit. Bibiliya iravuga iti. Que yuko Josaphat. Yoshafat, le roi de Juda, umwami w'Yuda, na Ahabu, umwami wa Israel, se sont liés ensemble, et bishyize hamwe, pour aller combattre les Syriens, et kugira ngo bajye kurwanya Abasiriya, qui occupaient Galaad, Abasiriya bari baratwaye I Galeyadi, mais Josaphat a dit, ariko Yoshafat aravuga ati, Akabu, yabwira Akabu, est-ce que tu as prié, ariko se wabanje gusenga, faut toujours demander la volonté de Dieu, igihe cyose bisaba kubanza kubaza ubushake bw'Imana ubwo ari bwo, j'ai prié, avuga ati nasenze. Ariko Imana ntago yansubije. Est-ce que tu as consulté le prophète? Atariko se wababajije umuhanuzi. Ni je 400 ici. Avuga ati mfite 400 hano. Tous consulté. Bose nababajije. Tous mondi. Bose bambwiye ngo genda. Genda uzanesha. Mais pour Josaphat. Ariko kuri Yoshafat. Ibyo ntago byavugaga neza. Aravuga ati est-ce que il n'y a plus un autre prophète? Ariko se nta wundi muntu uzuye. Par qui consulter l'Éternel? Wa uwo twanyiro tukabazuye. Aravuga ati kuki ukeneye indi muntu? Ufite 400. Ça ne suffit pas? Ese ntago bahagije? Non. Aravuga toya. Si y a un autre. Niba harundi. Oui, il y en a un. Aravuga ati harundi uribera mu misozi iriya. Lui ne me prophétise jamais. We nta na rimwe ajya mpanurira ibyiza. Ne parle pas ici. Avuga tuyivuga utyo. Qu'on les fasse venir. Niba muhamagare. Alors, on est allé chercher. Bajya gushaka Mikaya. Ceux qui sont allés les chercher, ils ont dit. Abajye kumushaka bambwira bati, nuhagera, nugera ku mwami. Parle comme les autres. Uvuge nk'uko abandi bavuze. Michel a dit. Mikaya aravuga ati. Je ne dirai. Ntago ndi buvuge. Qu'est-ce que me dira l'Éternel? Ndavuga gusa icyo Uwiteka ashyira mu kanwa kanjye. Kandi uwo niwe muhanuzi. Pas tous les autres prophètes et prédicateurs. Ntago ari ababwiriza cy'abahanuzi b'uyu munsi. Bavuga ibyo Uwiteka atavuze. Alors Michel est arrivé. Mikaya arahagera. Aravuga ati Mikaya. Nous voulons te consulter aussi. Turashaka nawe kukugisha inama. Est-ce que je peux aller à la guerre? Est-ce que je peux aller à la guerre? Michel a dit. Mikara vas-y. Genda. Tu auras du succès. Uzanesha. Akab lui-même a dit. Akab ubwaravuga toya. Michel parlait comme ça. Mikaya uvuga gutya. Ntago bibaho. Il dit Michel. Avuga ati Mikaya. Dois-je te faire jurer? Ese nkurahize? Que tu me diras la vérité au nom de l'Éternel. Nakurahiza ko uri bumbwize ukuri mu izina ry'Uwiteka. Nono Mikaya ati. Nakwasi la vérité. Nono ukuri nguku. J'étais en vision. Narindi mu iyerekwa. J'ai vu l'Éternel. Nabonye Uwiteka. Sur un trône élevé. Yicaye ku ntebe ndende. Et les anges, l'armée du ciel. Abamarayika autour de lui. Ijuru bamuzengurutse. Et l'Éternel a dit. Uwiteka aravuga ati. Qui enverrai? Pour séduire Akabu. Kugira ngo ashuke Ahabu. Pour qu'il aille mourir à cette guerre. Kugira ngo agende apfire ku rugamba. Pour que la parole d'Élie, mon serviteur. Kugira ngo ijambo ry'umugaragu wanjye Eliya ribashe gusohora. Alors les anges. Aho niho abamarayika noneho abamarayika buri wese avuga uburyo bwe avuga uburyo bwe. Alors un démon est sorti. None dayimoni imwe iraza. Il dit moi. Iravuga iti jewe. Jire. Jewe ndakenye. L'Éternel lui dit, Uwiteka arayibwira ati, comment tu vas faire? Urabigenza ute?
Le démon dit, et démon a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ce prophète. Comme ça, il va lui prophétiser. Non, il sera séduit. Non, il va périr à la guerre. Et le Seigneur a dit, vas-y. Alléluia. Amen. La suite, nous la savons. Et quand il y a quelque chose, tu l'as vu. Mon propos, c'est quoi? Ariko, icyo navugaga ho ni iki? Satan. Et les démons. Satan n'a pas d'aimoni. Baracyemererwa kwinjira mu ijuru. C'est pourquoi, niyo mpamvu, selon la Bible, ukurikije Bible, les cieux devaient être purifiés de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et kuko Christ atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana kugacu. Les images des choses célestes qui sont sur la terre. Ibishushanyo birano kwisi ibishushanyo byo mu ijuru. C'était le tabernacle. Ni ihema ry'ibonaniro. C'était tout ce qui se faisait. Ni insengero n'ibyakorwaga byose. Dans le tabernacle. Ibyakorwaga mu nsengero. Hari mu gitabo cy'amategeko. Hari mu isanduku y'isezerano. Et le peuple venait sous le sang du sacrifice. Kandi abantu bakaza munsi y'amaraso y'ibitambo. Ndetse yaba ihema, yaba igitabo cy'amategeko. Tout ce qui était là-bas. N'ibyaraho byose. Était purifié par le sang. Yezwaga n'amaraso. Et la Bible ajoute. Kandi biri kongera ngo. Parce que ces choses-là. Kubera ko ibyo bintu byose. Des autres choses qui sont au ciel. Quand les images de la terre sont purifiées par le sang, il fallait citer les choses réelles qui sont au ciel. Byasabaga ko n'iby'ukuri biri mu ijuru soit aussi purifié par des sacrifices plus excellents. Nabyo bitunganywa n'igitambo kirushaho gukomera. Et Jésus. Kandi Yesu amaraso ye purifie pas seulement la terre. Ntabwo atunganya hano ku isi gusa, ahubwo amaraso ye abasha kweza n'ibiri mu ijuru. Alleluia. Amen. Vous voyez. Murayibona. C'est pourquoi. Niyo mpamvu. Il est toujours là. Niyo mpamvu ari hari igihe cyose. Satan fait ses manœuvres. Et nubwo Satan akora ibyo. Il doit rester là. Ariko agomba kumariya kugeza ubwo. Le dernier. Wa nyuma. Entre dans le corps de Christ. Wa nyuma yinjira mu biro wa Kristo. Alors Satan. Noneho Satani. N'aura plus l'accès au ciel. Nta mwanya azongera kugera mu ijuru. Définitivement. Azirukanwa yo burundu. Va descendre sur la terre. Azamanuka no ku isi. Au même moment. Muri ako kanya. Umugeni. Va monter. Azazamuka. Entre dans le ciel. Yinjire mu ijuru. Satan ne pourra plus y aller. Aho Satan atazabasha kongera kwinjira. Amen. Amen. Et nous allons monter au ciel. Kandi tuzazamuka mu ijuru. Où il nous a préparé une cité. Aho yaduteguriye mu Rwanda. La nouvelle Jérusalem. Yerusalemu nshya. Qui est aussi notre réalité. Kandi byo ni ukuri kuri twebwe. Qui existe. Irahari ni ukuri. Au ciel. Hariya mu ijuru. Que Dieu bénisse. Imana iba umugisha. Nous continuons demain. Et tuzakomeza ejo. Parler de notre endroit. Et tuvuga ku handi hantu. Qui existe. Et naho hahari ukuri. Que Dieu bénisse. Imana iba umugisha. Ahubwo wakirebye ni ufite imbaraga ushimwe kandi uhimbaze Umwami. Oh haleluya. Amen. Utwongere Databuja Mwami imbaraga, dushire ubwoba, tumenye neza yuko umwanzi nubwo tunyeganyeza, umwanzi nubwo Databuja Mwami aturushya, ariko ijambo rya nyuma ni ryawe. Amen. Kandi waratwemereye, watwemereye imbaraga, watwemereye Databuja kunesha. Amen. Ubwo Databuja Mwami utegeze kwiga ijambo, udiye kujya mwuka gusenga, uyahorewe wirwanirira mwami. Ubwo twebwe ntabwo twabishobora. Urakoze mwami. Uwo umugisha buri wese, n'ejo tuzongera guhera mu mazina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ryacu ry'umugoroba rirashoje. Ibada yetu ya siku ya leo inafika ukovu. Na hejo na none umwami nabishaka. Tutaorana tena kwa siku ya kesho, tukiwa na mapenzi ya Mungu. Umwami wacu Yesu Kristo. Nendeni na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo.